Le département de la Liborie, massivement mobilisé pour écouter l'apôtre de la nouvelle conscience, le désormais mécanicien en chef du garage Bénin. Le président du bureau communal tout à l'heure, il a cité un chapelet de problèmes. Et je dis que j'ai les solutions à ces problèmes. Mais s'il y a autant de problèmes, c'est comme si la voiture que nous avons est tombée en panne. Lorsque votre véhicule, votre voiture tombe en panne, vous envoyez ça où? Chez le mécanicien. Et pourquoi vous envoyez ça chez le mécanicien? C'est pour qu'il dépose le moteur et qu'il rechemise le moteur, qu'il change les pièces qui ne marchent pas. C'est bien cela, hein? Qui est le meilleur mécanicien dans le pays pour réparer la voiture, là? Vous le connaissez? Ah, vous ne le connaissez pas bien. C'est moi, le mécano en chef. Mécano en chef, Yenwe. On va réparer ça. On va réparer le véhicule. On va changer les pièces détachées. Et vous allez voir, la voiture Bénin reprendra la route. Et ce sera une route de lumière pour le bonheur de tous les Béninois. Plus qu'une présentation de son projet de société, Pascal Irénée Koupaki a fait une restitution des mots qui lui ont été soumis lors de son premier périple à travers les 77 communes du Bénin après sa démission du gouvernement il y a 3 ans. Des mots auxquels il s'est engagé à apporter des solutions progressives à partir du 6 avril 2016. Je suis venu vous parler de la relation qu'il y a entre la nouvelle conscience et le développement. Vous m'avez dit à l'époque tous les problèmes que vous rencontrez et surtout vos attentes que j'avais bien notées. Mais rappelez-vous à l'époque que j'avais dit que quel que soit le nombre de problèmes que nous avons, il n'y a qu'une seule solution. 1000 problèmes, une seule solution, la nouvelle conscience. Nous avons réfléchi et nous avons sorti encore un nouveau document. Voilà le document que nous avons sorti, qui est le fruit de ce que vous avez dit et des réponses qu'il faut apporter à tous les problèmes que vous avez soulignés à l'époque. Ce document, c'est un projet de société, c'est-à-dire le Bénin dont nous rêvons tous, le Bénin nouveau, apprenant, entreprenant et innovant. Comment nous allons y arriver? Toutes les solutions sont dans ce document. Et le titre du document, c'est « Bâtir ensemble le Bénin nouveau ». Dans le département de la Liborie, le candidat du Bénin nouveau s'est arrêté dans les communes de Banikouara et de Kandi, où il a d'ailleurs reçu le soutien et la bénédiction des rois.